Bonjour, bonsoir, on se retrouve sur Mini Motorway pour attaquer la carte de Rio de Janeiro. Et on va voir un petit peu ce qu'elle va nous réserver. On est parti. Alors, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est vraiment le début de partie. Il est simple, hein. On a une petite route, une usine, voilà, et ça se fait tranquillement. Les premiers points, ils arrivent, mais petit à petit. Et après, le stress commence à monter. On se dit, zut, pour rester poli, comment vais-je faire pour obtenir le score suivant? Et je n'ai toujours pas compris comment bloquer certaines constructions. Alors je me dis, en plaçant des routes, mais le problème, c'est qu'on est trop limité au niveau du nombre de routes. Donc voilà, là, c'est assez frustrant à ce niveau-là. Je vais prendre le tunnel dès que possible. Et là, dès que possible, je vais repasser par ici en dessous. Dès que la case se libère. On va repasser là en dessous. Le tunnel, absolument, je le sens. On va en avoir besoin avec des maisons qui vont venir s'installer dans certains coins plus délicats. Ça se débloque toujours pas là en dessous, hein. Alors là, par exemple, je pourrais. Faire ceci pour empêcher toute construction. On va l'empêcher de construire là au-dessus. Comme on pourrait l'empêcher de construire ici aussi. Clairement, là, sert plus à rien de le bloquer. Pourrait prendre un pont. Donc là, j'ai pas envie qu'il me demande de construire par là. Je pense pas qu'ici en dessous ça va se débloquer, hein. Clairement. Ça va être une map. Je vais rester poli, mais ça va pas être évident. Là, j'ai plus de route. Et j'ai besoin de tunnels.
Absolument. Oui, là, voilà, je pourrais faire la route ici en dessous. Bah, quoique non, j'ai des... J'ai besoin de tunnels. Tant pis, bon, s'il m'ouvre une usine ici, j'ai perdu. Hein. Clairement, très mauvais départ. Du coup, est-ce que j'ai besoin de ça? Non, je vais les envoyer par là au-dessus. Comme ça, je récupère quand même mon tunnel. Au cas où. On va voir si ça va passer, si ça va aider. Quatrième couleur. Sert pas à grand chose cette autoroute, j'ai l'impression. Ça, j'aime bien cette usine là. Elle est vraiment mise pour m'aider parce que ça va aller vite.
Alors, c'est parce qu'il me reste pas assez de morceaux de route, mais j'aimerais bien passer par ici. Je pouvais avoir 30 morceaux de route maintenant. On a dépassé les 300 comme d'habitude. Hein. Pas encore vraiment d'usine qui souffre. Pas bon là-bas. Celle qui est là, c'est vraiment pas bon. Bon, la route ici est pas beaucoup utilisée, hein. Donc je pourrais toujours récupérer. Des morceaux ici. Voilà, là ça va devenir plus problématique. Parce que du coup. Parce que du coup, plus de morceaux de route. Ouh, pas bon ici. Plutôt se mettre là. Et là, la route ici, elle n'est pas utilisée. Hein. La route ici, elle n'est pas utilisée du tout. Donc ce que je pourrais peut-être faire, c'est ceci. Ce sera peut-être plus utilisé comme ça. Alors là, je vais fermer la route. On va les obliger à passer par là. Hein.
Voilà. C'est pas utilisé tellement, hein, cette route-ci. Je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Dépasser les 1000, c'est déjà bien de dépasser les 1000. Je dois vous avouer que sur des maps de ce type-ci, je me contente de ça. Je n'ai plus de morceau de route. Ce qui est problématique parce que là, je dois la relier absolument. Je pense que la fin de la partie s'annonce pour bientôt, malheureusement. Franchement complexe, franchement fun comme jeu, sincèrement. Celui qui me dira qu'il trouve pas de plaisir sur ce jeu-là, je comprends pas. Il doit vraiment être difficile parce que il y a, enfin, faut aimer les prises de tête, hein. Faut aimer les prises de tête, on est bien d'accord.
Mais voilà, le jeu est plaisant à jouer. Mais c'est hard. Mais c'est hard. C'est très hard. Très très hard. Et voilà, là on l'a perdu. 1630, donc à vos copies d'écran et tentez de battre mon score. Bisous, bisous, au revoir.